j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va aider beaucoup de personnes. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat. Vous êtes vraiment, vraiment nombreux et nombreuses à me demander comment je fais mes sourcils. Donc voilà, c'est très très simple. J'utilise un goupillon et mon crayon de chez MAC, donc le Spiked. Et voilà, donc je vous conseille de vraiment, pour les personnes qui ont les cheveux foncés très noirs comme moi, je vous conseille de prendre une couleur brun foncé, donc ce qui est le cas pour celui-ci. Pour les autres, approchez-vous vraiment de la couleur de votre teinte de cheveux. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à vous expliquer vraiment comment je l'ai fait. C'est pas très compliqué. Donc voilà. J'aime beaucoup cette forme, je le fais vraiment depuis quelques mois, j'arrête pas de faire cette forme là, j'adore vraiment. Donc voilà, et comme vous êtes nombreux à kiffer, j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous aidera surtout. Je vous fais plein de bisous, ciao. En fait c'est pas si compliqué que ça. En fait moi je m'imagine une ligne à partir d'ici. Et j'essaie de rester droite comme ça. Je suis la forme de mon sourcil. Voilà. Et en fait, j'essaye de descendre ici à ce niveau-là. Donc voilà, une fois que j'ai tracé, j'essaie de rester en fait droite. Et en fait, je descends ici jusqu'à ce que en fait, ça soit plus ou moins... Enfin, imaginez ici une ligne imaginaire. Donc, qui soit plus ou moins sur la même ligne, ces deux points-là. Donc, ici et la fin de votre sourcil. Et ensuite, j'essaie de faire pareil ici, au-dessus. Alors une fois que j'ai fait le bas, bah après il suffit de suivre. Donc, voilà, et ensuite j'essaye de... on va dire de dessiner, de remplir les trous avec mon crayon. Donc si vous n'avez pas de trous ou si vous n'avez pas les sourcils clairs clairs et fins comme les miens, limite c'est pas la peine en fait. Limite pour vous, vous sautez cette étape et vous faites l'étape d'après. Donc une fois que je les ai remplis, comme ça, pour avoir un rendu naturel. Donc là j'ai pas laissé comme ça bien évidemment, j'ai juste un peu, on va dire, retiré le surplus comme ça, juste en passant mon goupillon dessus. Et ensuite, comme vous avez peut-être pu le voir sur mes précédentes vidéos, le surplus, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en fait le surplus là, je viens le prendre pour le ramener vers le début de mon sourcil, tout simplement. Et en fait, ça va créer une sorte de dégradé. Et ensuite, on travaille son sourcil, hein, on essaie de retirer le surplus, que ça ne soit pas trop foncé non plus. Et on essaye d'avoir plus ou moins la même forme, sachant qu'on sait très bien que c'est très rare d'avoir les deux sourcils de même forme. Ouais, donc voilà. J'essaie de regarder sur mon miroir parce que c'est vrai que sur le retour caméra, en fait, on voit pas trop bien. En plus de ça, je me vois blanche, donc... Ça aide pas trop.
Donc voilà. On a réussi à avoir un rendu plus ou moins naturel devant sans que ça fasse trop carré et avec un effet d'estompage. Et on a gardé une bonne forme. Donc là, la ligne imaginaire qui arrive jusqu'ici. Et pareil pour ce sourcil-là. Donc de là jusque-là. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous ai montré comment faire ces sourcils et j'espère que ça vous a plu. Parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me le demander sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Snapchat. Apparemment, ça vous plaît vraiment cette forme. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera. Et j'espère que vous pourrez reproduire la même forme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Bisous!